avons trois individus qui se sont présentés à la BJJ Bulgarie et qui ont présenté des armes d'épaule et ont menacé les personnes à l'intérieur et ont pris les bijoux qu'ils pouvaient prendre et ont pris la fuite. Donc ont pris la fuite en voiture tout d'abord et d'autres individus à scooter. Et de là s'est lancé un peu une chasse à l'homme, une course poursuite. Et ça a débuté un petit peu sur le 10e parce qu'ils avaient un gyrophare, ces individus, au niveau du véhicule. Donc les premiers intervenants, c'est sur le 10e arrondissement où les collègues ont essayé de faire arrêter le véhicule. De là, ils ont quand même réussi à faire renverser un collègue vététiste qui n'est pas blessé pour le moment. Et ça, dans la fuite, ça a continué jusqu'au niveau du centre de Paris, donc sur le 4e arrondissement, où le véhicule a été stoppé par un tir de policier. Et ces individus ont pris la fuite. Donc trois individus qui ont pris la fuite au niveau de la voiture. Nous avons un individu qui est blessé. Et les trois individus ont été interpellés, donc sur les sept. Trois individus à bord d'un véhicule, quatre roues. Et deux scooters avec le reste des armes de butin. Donc nous avons un préjudice pour le moment d'environ 10 millions d'euros. Donc c'est toujours en cours, donc on n'a pas la somme totale. Nous savons juste que dans la fuite, un des individus a lâché un sac. Donc nous ne savons pas ce qu'il contenait pour le moment. Il a été, il a pris une balle, forcément. Ce n'est pas grave pour le moment, mais bon, il a été transporté à l'hôpital, donc on est en attente de savoir les descriptifs des blessures. Pour le moment, nous n'avons pas les identités. Apparemment, ça s'est passé très très vite. Donc ils ont été quand même menacés d'une arme d'épaule. Je pense que c'est un impact psychologique, on n'a pas besoin forcément de violence physique pour qu'ils soient impactés. Et voilà, pour le moment, c'est tout ce qu'on sait. Nous avons la BRB qui a repris l'affaire au vu du montant. Et l'enquête est en cours, donc on attend pas encore cette information. Vers 11h40, entre 11h40 et 12h. Oui, nous avons sur le 10e arrondissement les fonctionnaires de police qui ont tiré une première fois, mais ce tir n'a impacté personne ou du matin. Un tir policier. Alors ces individus se sont fait passer pour des clients lambda, hein. Ils étaient vraiment vêtus de costumes, donc ils pouvaient passer vraiment pour un client qui venait acheter des bijoux au niveau de la bijouterie bulgare. Rien qui choquait en apparence pour qu'ils puissent rentrer, pendant que les autres faisaient le guet à l'extérieur.